Moi je veux du huc. Ah mon pote la nuque. Alors on continue, on est là-dessus. Je dis un passage par jour. Et vous avez vu, je vous réserve vraiment le passage rien que pour vous. On chie eux là. Par contre, j'ai dit, on va faire de la fantaisie. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Voilà, c'est parti. Voilà, ça va être le bordel. Doucement, Gillian, s'il te plaît. Donc, on a dit, avec quoi le canard? Oui. Tu peux, mais loin de moi. Allez, sur B. Comme d'hab, on prend les chemins faciles. Et la prochaine, je la fais avec, dans ce cas-là, Venom the Duck. Puis je vous explique un peu comment on joue Venom the Duck. D'accord? J'attendais qu'un copain nous fasse ça. Il l'a toujours pas fait. Comme j'ai besoin de jouer avec Venom the Duck, autant expliquer comment bien jouer Venom the Duck dans des catégories genre un peu plus dures. Ouh là là, ça commence à partir en couille. Ils vont me gêner. J'arrive pas à parler en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. On a pris Miss Boobs. Ça s'appellera comme ça. Tornade Miss Boobsy. Pas un moment qu'il fasse une petite synthèse, hein. Hein? Allez, on enchaîne, allez. On va essayer de la faire entièrement avec Tornade. J'espère que ça va pas faire comme avec Howard the Duck. J'espère qu'on va pouvoir enchaîner un minimum. Ah, on continue. J'ai passé les 154 abonnés là. Il y a eu quoi? Il y a 20 minutes? D'accord? Attendez 2 secondes. Non, ça va, vous pouvez me parler. Je cache avec les 3 enfants. C'est les réunions scolaires de rentrée. Je vous cache pas qu'on kiffe. Bon bah non, alors. Allez, c'est reparti. Lui, il y a moyen que ça sorte une grosse prouesse. Regardez, c'est fini là. Mon doigt a bloqué, sinon c'était 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, bien évidemment. Donc là, ils ont laissé le petit frère tout seul en haut. Alors que j'ai demandé, s'il vous plaît, le temps de la vidéo, de me le garder. Donc voilà, on a 154 abonnés. Je l'ai dit, je l'ai fait. J'ai dit à 150 abonnés. Je lâche la bomba. Comment ça s'appelle? Merde. Le YouTube Game Answer. Level 3, enfin partie 3. Désolé, je guette un peu parce que comme je suis mal garé dehors, donc tous mes voisins prennent toutes les places, ils ont cru que c'était leur rue. Hop, c'est parti. Oh non, ça va faire comme l'autre jour. Le petit qui s'énerve au moment où je joue. Vous entendez? C'est un délire. Voilà, j'arrive. Ça va pas être évident encore ça. Ça fait 2 jours de suite, je garde des petits. Et à chaque fois, je quitte la pièce. Il n'y a que 3 mois. J'entends ça derrière. Le bébé qui chouine. C'est un plan de combat là sur celle-là. C'est relou. Allez, Miss Boobsy. Carnac.
Carnac, c'est l'arnaque. Il y a des personnages comme ça. On va dire, mais c'est bien, il réduit les compétences d'évasion de tout. Avec un SP1, ça dure 3 secondes et demie. Regardez. C'est pas normal ou vous, regarde. Ah, c'est un délire. Meurs, fils de pute. Petit fils de pute lâché. Naturellement, bien sûr. Parce que normalement, j'ai le temps de faire mon cycle d'étourdissement. Lui, il s'est oublié que ça durait moins longtemps. Je bois un truc genre bio. J'essaie de... Mais c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Oh, un Nick Fury. Enfin, maintenant, voyons. Donc ouais, voilà, YouTube Game Master, level 3, partie 3, quand vous voulez. Je pense que dimanche soir, elle est en ligne. Ouais. Dimanche soir. Ouais, c'est ça, là. Ceux qui connaissent, bah, c'est pas bon. C'est genre un Oasis Light. Fait par des gens riches. Du coup, c'est pas bon. Vous avez Tornade, c'est bon. C'est pas ouf, Tornade. Puis, c'est pas exceptionnel le niveau en face, mais... Moi j'aime bien Tornade. En premier 6 doublé ça peut le faire, non? Il a normalement sa tech gun. Voilà. Vous avez vu, en moyenne c'est 20 à 30 coups. Si j'ai le SP2 à 20 coups des fois. Hey, les avions région parisienne, je craque. Ils ont tout dévié vers chez nous là. Et c'est un délire. Ah, c'est quoi ça? Ok, let's go. Crossbone, on continue. Après, ce sera un Joe Ladouille, le boss, Joe Frixit. J'ai pas regardé, je suis tombé sur des vidéos pur hasard. En fait, j'étais avec Chris en vidéo et il l'a fait vite fait. J'ai entendu. Oh. Pas beau ça. Voilà, coupe ta main ta gueule. Il y a le bébé qui chouine en même temps derrière, qui chante avec son petit lion. Le lion en moyenne c'est 20 à 30 coups avec Tornade. En général pour à peu près tous les combats. Bon, faut, quand c'est trop dur, pas exagérer non plus, mais. Allez, vas-y, vite, vite, vos boss. 2 secondes, j'arrive. Ok. On reprend vite fait. Ok, du la douille. On va mettre un tout petit peu de vie à un Miss Boobs, un Miss Boobsy. On va voir si on tech down Joe Ladouille. On va mettre un peu de soin. On va mettre 3 comme ça. Allez, 4. Puis 3 comme ça à côté. Allez, 4. Et 4 encore. Allez. Voilà. Vous avez vu? J'ai plus d'unités, on va à droite là. 300 unités. Pour passer juste un petit bout d'acte 6. Ah, elle m'a fait mal. Eh, c'est parti, on lit pas les bornes. Comme d'hab, on attaque, on tape. What? Ok, je viens de comprendre. Faudrait qu'il se passe un miracle. Ah oui, bien. Et c'est loupé. Normalement, il est étourdi au deuxième tour. Voilà ce qui s'est passé. Normalement, ça étourdit toujours. Un tour, deux tours, ça étourdit. Voilà, là, ça n'a pas étourdi. Putain. Le truc des irrésistibles, ça m'a bien pété les couilles. Ça m'a pété les couilles, fortement, ça m'a pété les couilles. Je m'attendais pas à ça en fait. Oh là, putain. Vous avez vu combien elle a enlevé sur le SP les gars? 30k, 32.
30 ou 36. Par là, quoi. Quand tu lis pas les bornes, t'es comme un con quand tu vois que le mec reprend de l'énergie. Alors que t'as vraiment pas prévu qu'il reprenne de l'énergie. Ouais. De voir un truc genre. Quand pas taper tous les temps de secondes, récupère tant d'énergie, enfin de santé, pardon. Quand il se jette vers toi en avant, il y a un irrésistible. Et vu qu'on lit pas, nous on s'en fout. On sait pas lire de toute façon. Moi je suis un putain de trisomique. D'accord. Donc voilà. Moi c'est passé. Bon, Miss Boobzy, je suis désolé. Je m'attendais à mieux. Tu vois, normalement quand tu fais SP2. Ça étourdit, le SP1 étourdit tout le temps. C'était ma théorie qui vient de tomber à l'eau. Sur ce, ouais. Il y a des cristaux ouverts ou pas? C'est un 4, on ouvre le 4 comme ça, la Perters, à la Arashkaraï. S'il n'y a pas de 4, salut. Bah, il n'y a pas de 4. Donc, en tout cas, vous avez vu, deuxième passage. On est à plus de 150 abonnés. Merci à tout le monde. Et ça veut dire que dimanche soir, YouTube Game Mansoir. Et j'ai promis à 200 abonnés, les gars, je vous promets. J'ai un petit son qui sort, d'accord? J'ai les cœurs derrière. Et le son, c'est en rapport avec forcément Kaba, mais un peu ce qui se passe quand tu joues au jeu et que c'est un peu la dèche. Tu sais, quand t'as plus de kata, quand t'as plus d'or, tu vois, c'est un mélange de tout ça et d'un peu des tirages. C'est 100% Marvel Contest of Champions et Kabam. Donc à 200 abonnés, je sors la vidéo. Presque cap de faire un mini clip rigolo un petit peu, tu vois, ça pourrait me faire sourire, ça pourrait vraiment me faire sourire. Donc sur ce, merci à tous les mes petits dindons, merci encore pour la félation et bonne bifle à tous, vraiment bonne grosse bifle qui... Mouah.